filles, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est bientôt le moment de Halloween. Vous savez que je suis pas très très Halloween au niveau des créas et tout ça. Et bon, les filles, regardez. Ça me va pas bien, ça. Hein? Ça me va bien, je trouve, n'est-ce pas? C'est assorti à une lunette en plus. Alors, donc, du coup, j'ai commencé par faire un tout petit proto, mais tout petit, tout mignon, tout petit, tout petit. Et bah voilà. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer de le faire en grand. Bah voilà. En grand, j'ai réussi. Donc si vous avez pour Halloween les enfants qui font un goûter ou choses comme ça, et bah, vous mettez le petit chapeau qui est fait très rapidement. Et puis voilà, voilà. Et puis un petit bout, une petite araignée ou autre chose. Et puis voilà. Donc du coup, on va voir pour faire le petit chapeau et on va voir pour faire la petite plume qui est à côté. Voilà. Donc, ben voilà, hein, j'ai fait mon chapeau de sorcière. Je vais pas vous chanter la chanson. Bou, 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 je suis la sorcière. Non, je suis pas une sorcière. Hein, donc, du coup, je bascule. On se met sur la caméra et on fait le tuto du chapeau de sorcière. Voilà. Allez, on y va. Alors, du coup, les filles, on va prendre les feuilles de papier noir qu'il y a dans les blocs action. Vous savez, où il y a du craft, du blanc, du noir. Moins épais, plus épais, et on va prendre les feuilles en fait les moins épaisses. Voilà. Vous allez faire un cercle dedans d'un diamètre de. Hop, ça y est, j'ai perdu mon diamètre. Tac. D'un diamètre de 7. Diamètre, non, un rayon de 7. D'accord? Vous faites un rond. Vous venez ensuite après sur. Plier, mais sans marquer le pli, vous faites à peu près comme ça et vous coupez un quart, d'accord? Ensuite, après, vous allez refaire un rond dedans, vous le faites avant, tac, un tout petit peu plus petit, hop. Ça a fait ça, mais c'est ça n'a pas fait de rond. Voilà. Hop. Et l'autre côté, c'est tout bon. Que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc on a un tout petit rond sur le côté et sur le rond du côté, on va prendre notre petit ciseau. Hop, ici on va couper comme ça jusqu'au trait que l'on a marqué et on va faire tout le long jusqu'au trait des petites coupures et on coupe jusqu'au trait hein. La largeur on s'en fiche un peu. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est fait. On va les relever un tout petit peu, pas beaucoup. On les relèvera comme il faut après. Hop. Voilà. Et on va venir coller, que ça fasse une pointe en haut. On va venir coller notre petit chapeau. Comme ça et que ça fasse une pointe. Alors, on va mettre de la colle. Ici, s'il manque de colle, on en remettra. Hop, on colle. S'il en manque, on en remet. Tac. On retire la colle qui est en surplus. On appuie, on remet de la colle s'il en manque. Voilà. Tac. On prend le petit chiffon et on essuie la colle qui est en trop. Voilà. Donc ça, c'est le haut de notre chapeau. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder parce que je n'avais pas pris les dimensions. Donc là, je fais, allez, on va dire 8.
Donc je refais un rond d'un diamètre de 8. Donc du coup là je fais ce que je l'avais préparé, mais comme c'est jamais la même chose, là je suis bon. Donc on prend à peu près 4,25, on fait un rond au milieu et 2 cm plus loin on refait un deuxième rond, d'accord. Donc on coupe notre rond. Les morceaux de feuilles, on les garde pour faire des découpes. Hop, ça c'est poubelle, mes poubelles ont changé de place. Alors pour couper un rond correctement, ça c'est Hermès et Vaiko. Pour couper un rond correctement, hop, on y va par petits à-coups. Hein. Voilà, notre rond est bien formé. On va prendre notre petite pointe qu'on a marquée. Hop, on coupe et on va venir couper le rond du milieu ici qu'on avait marqué. Voilà, donc ça va être le milieu de notre chapeau. On regarde si on n'a pas fait de bêtises, est-ce que ça va tenir. Évidemment, je l'ai fait trop grand. Mais c'est pas grave, il va y avoir des fleurs autour, donc du coup, on va le coller comme ça, et ça ne se verra pas. J'aurais dû faire un poil plus petit. Alors attendez, je regarde. Est-ce que ça va aller pour le coller? Yes, on va faire comme ça. C'est bon. Donc du coup, on met de la colle partout sur les petites... Tac, on le pose, tac, et on met notre rond. Ah, voilà Hermès. Voilà, on va le coller comme ça, et on va retirer la colle qui est en surplus. Mais comme il va y avoir des fleurs autour, vaut mieux que ce soit plus grand que pas assez grand. Yes, en plus elles sont assez grandes, notre petite languette, donc du coup c'est bon. Voilà. Hop. Voilà, donc là, notre chapeau, il est fait, d'accord? Donc maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on a fait plein de petites fleurs orange et noire. Hop. On va venir mettre toutes nos petites fleurs orange et noire autour et nos petites plumes. Alors, je vous montre. Si vous avez le dice pour faire des plumes, c'est très bien. Sauf que votre dice, ça vous fait une plume en fait qui est toute uniforme. Une plume, c'est pas comme ça. Donc, on la plie en deux. On prend notre petit ciseau. On la rouvre. On a la marque qui est au milieu et on vient faire. Des petites coupures de façon à former
Hop. On fait la même chose de l'autre côté. On fait attention de ne pas couper trop loin pour ne pas couper notre feuille en deux. Voilà. Et notre petite plume, hop, on la replie un peu. On l'ouvre, on tourne un petit peu les hop pour former. Et notre petite plume, elle est faite. Vous voyez? Hop. Voilà. On a notre petite plume. D'accord? Si vous n'avez pas de dies, ce que vous allez faire, hop, vous allez prendre un petit rectangle, peu importe hein, la grandeur du rectangle, hop, on coupe un rectangle comme ça, tac, vous allez le plier en deux, votre rectangle, hop, voilà, et avec votre ciseau, ici, vous allez faire un tout petit bord. Ça, c'est pour le petit bout de la comment de la plume. Et après, vous allez faire comme un arrondi. Et au bout, vous finissez comme ça. Voilà. Vous voyez? Ça fait ça. Donc, si vous la trouvez un petit peu trop grande, eh bien, vous recoupez d'un côté et vous recoupez de l'autre. Voilà. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Voilà, alors faut prendre son mal en patience. Hein. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Calme aujourd'hui, hein, vous avez vu. Très très studieuse. Voilà. Ensuite, vous la repliez au milieu. Vous l'écartez un peu. Voilà. Et puis, là, les petites feuilles, vous les tordez un peu. Et là, vous pincez en haut. Là, vous fermez. Voilà, et vous avez votre petite plume. Voyez? Hop. Ok? Allez, maintenant on monte notre chapeau de sorcière. Alors, on prend le pistolet à colle et on met de la colle sur les fleurs. Hop, on va en mettre une plus petite à côté. Tac. Alors, les fleurs, c'est les mêmes tutos que je vous ai montré pour faire les fleurs avec le petit tapis de mousse. Hein. D'accord. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai
morceau de... J'ai fait des bêtises. Pas grave. Je viendrai rattraper mes bêtises après. Je ne sais pas si ça va s'en aller. J'ai mis de la colle chaude. Je la retire maintenant parce que voilà. Bêtises rattrapées, Sylvie. Les bêtises, ça s'en rattrape toujours. On en met une là. Hop. Je la remonte. Là, j'en ai encore une petite. On va la mettre là. Tac. Là, j'en ai encore une. On va la mettre. Allez, on va la mettre là. Tac. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos fleurs, vous voyez, ça va assez vite pour après mettre toutes vos fleurs autour. Hop. Voilà. Là, s'il manque de la colle, on en remet sur le côté ici. Voilà. Et maintenant, on va venir faire un petit zigougoui. Alors, on coupe un tout petit morceau de feuille. Hop, on prend un petit bâton. On prend notre petit morceau de feuille et on le tourne autour en faisant j'ai pas assez serré et voilà. Marie a dit n'importe quoi. Allez, au panier. Voilà. Oh là là. Allez, on met notre petite plume. On met de la colle sur la plume. On va aller la caser derrière une feuille. Une fleur, pardon, pas une feuille. Voilà. On prend la deuxième plume noire. On va aller la mettre aussi derrière. Ah, vous voyez, ça va vite, hein. Hop. Je vais la mettre derrière carrément et la coller sur l'autre. Voilà. Hop. Je retire la colle qui est en trop parce que c'est pas beau. Et puis on va prendre notre petit zigougoui. On va en retirer un bout. On va mettre de la colle dessus. Sans se coller les doigts, évidemment. Bah, ça y est, c'est fait. Et on va venir mettre notre petit zigouigoui derrière, ici, voilà, nickel. Allez, tu colles zigouigoui, voilà. Et ben voilà, notre petit chapeau de sorcière, il est terminé. Il y a juste à retirer tous les fils de colle, parce que ça, c'est toujours la galère. Hop, on va coller nos petites plumes. Tac, et notre zigouigoui, il est collé. Voilà. Ah bah j'en ai encore une là, une petite. On va la mettre, on va pas la perdre quand même. Puisque le orange, on s'en servira pas. On va la mettre là. Ben voilà, elle a toute sa place. Voilà. Donc nos petits chapeaux de sorcière. Après, on va aller lui mettre sur le dessus. Je sais pas ce que j'ai. J'ai des sorcières, des araignées, des trucs bidules, machin, truc mûche. Ça ira pas, ça ira pas, ça ira pas. Bah, la petite grenouille sorcière, elle me plaît bien. Le fantôme, il est trop grand. Je vais pas remettre un chapeau sur un chapeau, quoique, non.
un hibou, une citrouille. Ah, mais on aurait pu mettre une citrouille. Non, ça y va pas. Ou alors la citrouille, il aurait fallu que je la mette dedans. Non, ça, le chaudron non plus, la sorcière non plus, le squelette non plus. Bah, on peut peut-être y mettre un hibou, hein, sur notre sorcière, sur le chapeau. Ou je le laisse comme ça, celui-là. L'autre, il y a marqué bou. On peut peut-être y coller un hibou. Mais il n'est pas orange, mon hibou, alors ça me gêne un peu. Ou alors, je lui mets un petit flacon. Je le fais tenir entre deux feuilles et je lui mets un petit flacon. Non, ça va pas. Non, ben non, il n'y a rien qui me botte pour mettre dessus. Donc, le chat noir, il faudrait que je le découpe. Lui, le fantôme, il ne me plaît pas. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Un chaudron. Non, j'aurais voulu le mettre sur le dessus. Et si je mets une citrouille... caché derrière, non, ça va pas. Un zibou non plus. Faudrait que je mette le fantôme, mais faudrait que le fantôme je le raccourcisse. Il est blanc, ça me plaît pas. Ou j'aime bien la garnouille. Allez, je mets la grenouille. Allez, je mets la grenouille. Hop, la garnouille avec le chapeau de la sorcière. La garnouille avec le chapeau de la sorcière, on va la mettre, dépêche-toi Sylvie parce que c'est en train de sécher la colle, on va la mettre là. Et ben voilà ma garnouille. Hop. Et ben voilà, notre petit chapeau de sorcière, il est terminé. Voilà. Donc il y a celui-ci, il y a celui-ci, et puis il y a le tout petit rikiki chapeau de sorcière. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous aura plu, je trouve ça très sympa pour Halloween, pour décorer les tables, ou mettre sur, vous pouvez le mettre aussi, vous savez, si vous avez une bonbonnière en fait, avec des bonbons pour mettre sur la table, et ben vous fermez votre bonbonnière. Moi j'ai ça, mais c'est pas trop ça. Ah ben si, regardez, admettons, vous avez ça, vous mettez des bonbons dedans, et ben voilà, c'est génial. Ça ferme le petit bocal de bonbons. Mais je trouve ça sympa. Non, vous en pensez quoi? Ouais, pour fermer les petits bocaux de bonbons. Voilà, je trouve ça bien. Voilà, voilà. Donc du coup, je vous fais plein de bisous. Passez un bon Halloween. Bisous, bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao.